Quoi? Alors d'abord les Nishmat, Shimon ben Beya. Alors là, concentrez-vous s'il vous plaît. On va continuer le en Lelot Ephraim, le Kliyaka. On va faire le deuxième Mahamar qui fait sur Hanouka, qui est Pashut extraordinaire. Vous vous rappelez pendant Shabbat, vendredi soir, on a un Rav Dessler qui explique la marloquette de savoir pourquoi est-ce que la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, que Beth Hillel, eux, ils disent, on allume chaque jour, on rajoute une lumière, alors que Beth Shammai, eux, on va en ordre décroissant. On avait expliqué par rapport à Rav Dessler ce qu'il raconte. Alors il va expliquer le Kliyaka en Olelot Ephraim, son livre, d'une manière un peu différente, la différence entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et pourquoi d'accord on va Beth Hillel. Et il dit comme ça, Tanu Rabina, Mitzvah, Chanukah, Ner, Jubeto, Madrin, Ner, les Kol Echad, Vechad, Amrim, Ne Madrin, Beth Shammai, Omrim, Leil Echad, Madlik, Shmona, Mikan, Vela, Pochet, Voler. Ou Beth Hillel, Omrim, Leil Echad, Madlik, Echad, Mikan, Vela, Mossi, Voler, Tamayud, Beth Shammai, Keneged, Pira, Chag. Donc on a vu que quoi, selon Beth Shammai, tous les jours de Chanukah, on va Pochet, Voler, on diminue. Premier jour 8, deuxième 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beth Hillel, Olech Moussif, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, hop, 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 on jusqu'à 8. Et là, Gemara pose la question dans ma Masechet Shabbat, Dafkaf Alef Amoud, Bet. La Gemara dit comme ça, Maïtaï Mayoudé Beth Shammai. Quelle est la raison de Beth Shammai? Pourquoi Beth Shammai, ils te disent qu'on va selon l'ordre décroissant? Tu dis, Keneged, Peri, Achag, Paré, Achag. Pas Peri, Paré. C'est par rapport au Paré, Achag. C'est quoi Paré, Achag? Les corbanotes qu'on amenait pendant Soukot, encore une fois le rapport entre Hanouka et Soukot, dans la Gemara, tu lis. Déjà, les nations, elles amenaient en décroissant et nous, on amenait en. C'est la raison de Beth Shammai, exactement. Matemou de Beth Hillel, Kenegadaim Yotzi. Ok, par rapport au jour où on. Les jours, ayotzim, sortant. Inami, Shumai, Megodesh, Ben Moridin. Ou bien une raison, parce qu'il y a un klal, Rabbi David, c'est que Maralim, Bakodesh, Ben Moridin. À partir du moment où on élève dans la Gnusha, on n'a pas le droit d'enlever. On a vu ça dans l'histoire de la Gemara. Mais le soir de Gemara, dans Brachot, qu'est-ce qu'on avait vu? Lorsqu'ils ont fait le putsch, ils ont enlevé Rabbi Rabban Gamliel comme Nassi. Et ils ont mis Rabbi Elazar ben Azaria. Après ils voulaient remettre Rabban Gamliel. Ils ont dit bon, on peut enlever Rabbi Elazar ben Azaria. Mais donc on l'a mis Ma'alin ven Moridin. Donc les amis, selon Beth Shammai, pourquoi on va en ordre décroissant? Parce qu'on fait ressembler ça au Paré Achag. C'est quoi les Paré Achag? Les Korbanot de Soukot. Parce que le premier jour il y avait beaucoup de Korbanot. Et ensuite On diminuait. Beth Hillel te disent Malin Bakodesh Ben Moridin. On est l'aide dans la Gdusha, mais on ne peut pas descendre dans la Gdusha. Une fois que tu as mouillé en haut, tu ne peux pas mettre en bas. C'est clair? C'est bon? Et il dit comme ça, écoutez bien. Agouva Nefesh, Shne, Efachim, Benose Echad, Keshechad Ole, Hacheni Yored. Et il dit, c'est ça la marque de Beth Hillel. Si je te donne un klal, introduction. L'homme, il fait de deux choses, d'un corps et d'une. Âme, d'un nefesh. Ici, le nefesh dans le sens âme. Quand le corps s'élève, la nefesh se baisse. Et il dit, ce sont deux notions qui sont contradictoires. Lorsqu'un prend le dessus, forcément l'autre descend. Descend. Lorsque un est mitgaber, l'autre il se fait manger. C'est un équilibre et c'est surtout un combat entre le corps et l'âme. Et il dit, elle est là, la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Quel rapport? Il dit comme ça. Il dit, Gvar biyarnu bechag haSukkot, shehevdel haAtzmi sheben kochot haguf vekochot haNefesh. Il dit, quelle est behemet la différence entre les forces physiques de l'homme et les forces spirituelles de l'homme? Là, ce sont deux forces contraires. Mais quelles sont behemet? Quelle est la différence entre ces deux forces? Et il dit comme ça. Le corps, lui, à partir du moment où l'enfant il vient dans le monde, ou que la personne vient dans le monde, en vérité, les kochot de l'homme
vont en décroissant. C'est-à-dire que tu vas grandir, bon, à un moment donné, tu développes, tu grandis, mais en réalité, le corps, c'est exactement comme on avait parlé, triatamétim. Le corps, à un moment donné, il s'affaiblit. Plus il va dans le temps, et plus le corps, il vieillit. Tu le vois. Tu n'as pas la même tête que quand tu avais 5 ans, mon ami. Quand on dit, ah, t'as pas une ride. Ah, c'est pour faire plaisir, mais t'as une ride. T'as une ride. Au moins une ride. Donc, qu'est-ce qu'on voit au niveau physique? Que le corps, olair, vepochet. Le corps, il va en déclinant. Et la force de l'homme, d'ailleurs. Au début, on étouffe, étouffe l'âme, on avance, on va, et à la fin, donc l'homme, en vérité, il va, au niveau physique, l'homme, le corps, va dans un ordre décroissant au niveau de la force. Ouais, voilà, comment ça faire 28 ans. Non, mais c'est-à-dire que tu as dit depuis la naissance. Non, c'est-à-dire que la naissance, tu vas prendre à ton élan, mais le corps, il est voué, entre guillemets, à disparaître, donc à mourir, donc il perd ses forces. Le corps, au contraire, il va grandir, bon, tu vas te développer, mais à un moment donné, c'est la chute totale, prends la peine et commence à. On a compris. Parce que ça y est. Et la personne, comme il dit ici, après, quand il arrive à un certain âge, il voit l'athlète, ses forces. Bien sûr. Ses forces, comment on dit, l'abandonner. Le kit. Les forces. Et quand t'as 40 ans, tu je sais pas, j'arrive plus à courir comme à 20 ans. Alors que 40, c'est pas vieux, mais t'arrives plus, tu commences et tu vois la déclinaison des cochotes de l'homme. Ok. Jusqu'à que, il dit, jusqu'à que, Béhémet, l'homme, il perd toutes ses forces, il n'arrive même pas à la mille et ta gouffe. Chérie, je vois combien il y a des gens qui vieillissent. Chez l'on des dates. Il faut prier pour ça dès maintenant. Qu'on vieillisse, Béhémet, en bonne santé. Et qu'on reste indépendant. Qu'on n'ait pas besoin des pampers. Qu'on n'ait pas besoin de la sous-soupe. Quelqu'un te donne la chérie, je vois, Béhémet. Quand tu vois avec le déambulateur et le machin, ils n'arrivent pas à se retenir. Hachem, ils sont à la balle de nuit. Non, mais mec, faut prier en tout cas qu'on ait une vieillesse heureuse. Ouais, mais bon, même ça, c'est chaud. C'est... Que tu peux être indépendant, tranquille. Indépendant. Ouais, faut prier dès maintenant. Il y en a à 100 ans, il est indépendant. Il y en a, et il y en a, il y en a à Hachem, ils sont d'accord. Déjà, ils sont virala. Il y a un vieux de 100 ans qui travaille dans une station service. Ah, il serait. Ouais, mais il n'a pas perdu tous ses sens. Et il dit donc, jusqu'à que les cochotes de l'homme le quittent, et que la personne, ben, mettre combien on voit de personnes âgées qui veulent, il dit, ça y est, j'ai fait mon chemin, qu'est-ce que c'est que je reste là pour qu'on me donne un sous-sou, pour que je fais truc, et que machin. Ouais, ils veulent partir. Le yush, c'est le début de la fin. C'est pas un yush, mais c'est que, ben, voilà, c'est la vie comme ça. Et puis, plus que ça, après, quand tu vis, donc le corps est tellement fatigué que toutes les tarabotes que tu avais quand tu étais jeune et que tu étais un coureur de jupons, maintenant, tu es un coureur de pampers. Tu cherches les pampers, c'est tout ce que tu cherches. Tu n'as plus la force de courir. Reviens, Léon, j'ai même à la maison. Ça, c'était la pub, Igal. T'étais pas là, t'étais jeune. Tu te rappelles ou pas? Nickel. Reviens, Léon, j'ai même à la maison. C'est la violie. Tu te rappelles ou pas? Bon, c'était un petit vieux que tout d'un coup, il voyait les trucs et il courait. Parce qu'il y avait le ravioli. Et lui disait, reviens, Léon, j'ai même à la maison. Ah, bon, bref, c'est pas Igal, il grandit un petit peu. C'est pour ça, ouais. À partir de 82, donc. C'est comment, c'était les références de type qui ont 45 ans, en fait. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et il dit, Zikne am aretz kolzman shemazkinim mitepshim. Ils disent que les vieux, les personnes âgées qui sont ignorantes, plus elles vieillissent, plus elles deviennent encore plus séniles. Qu'est-ce qu'il fait? Et qui a rentré dans sa vie. Il est assis sur un banc et il voit les bus passer. Et il dit, quel numéro il est passé? Maurice, je crois que c'est le 82. Il parle des numéros de bus qui sont passés. Non, mais il attend parce qu'on lui a dit. Je fais un petit peu caricature, mais c'est tellement vrai. Je l'ai vu, moi, ça fait de la peine. On lui a dit prendre le 86, il attend. Ah non, ils ne montent pas dans le bus. Ils n'ont rien à faire à part regarder les bus qui passent ou les gens qui passent. T'en vois bien, Nathania, non? Bon, bref. D'accord, ils font un peu de la peine. Ah, bah, comme ça. Un vieux ignorant, un personnage ignorant. De quoi il a discuté, de quoi il a parlé? Au contraire, plus il vieillit, plus ça devient sénile. Ou bien faire ze amida et sel korot an efesh chez Beyom Olada, el mitziutam nika. Il dit au contraire, toutes les forces, korot an efesh, toutes les forces psychologiques, toutes les forces spirituelles de l'homme, au contraire, lorsqu'il est bébé, tu t'en rends même pas compte. Il est là, il te fait un pipi comme ça dans le plafond, il sait pas ce qu'il fait, il arrive même pas à tenir son machin. Au niveau spirituel, en date, il a pas de date l'enfant, d'accord? Quand il est petit, aucun date. Après, il grandit, il commence à se forger un esprit, il commence à se forger un état d'esprit, il commence à se forger un caractère. Et plus en vérité on va dans l'âge, et plus
Les corottes, en effet, je deviens important. Plus les forces spirituelles en nous, les forces psychologiques en nous, plus notre état d'esprit, plus notre date, il est fort. Ça, c'est notre sagesse, elle est importante, exactement. Notre faculté de réfléchir, d'appréhender les choses, nos choix, ils sont plus judicieux. Pourquoi ? Parce que plus on grandit, et plus notre état d'esprit, niveau spirituel, il grandit avec nous. Exactement. Donc les gens qui sont nickel à 90 ans, c'est qu'ils ne sont pas grandis. Ils ont 300 valeurs à peu près. Varehu keshar behema mechadoaretz asher yavo vechnei beiparena. Il dit en vérité, un enfant, quand il est petit, c'est quoi? La vie, bien sûr, hein, c'est pas. Mais comme un animal qui vient de naître, entre un bébé chat, c'est un bébé chat. L'enfant, il peut pas attraper, il peut pas se tenir debout, encore le chat, il peut marcher. Il peut même pas marcher. Mais au contraire, plus il avance dans l'âge, la personne, plus elle peut acquérir un esprit, un vrai esprit de réflexion. Et après, il va grandir, il va acquérir un sechel à Torah, il va étudier, il va avoir un esprit critique, un esprit de réflexion, un esprit de Torah qui va élargir de chokma, comme tu as dit, de ça qui va acquérir la sagesse. Astit atzem bo atzura sirlit, mais Yosif, shlimut hashlimuto, yom, et au contraire, plus il avance dans l'âge égal, comme un bon vin, plus l'esprit il est aiguisé. Beson nefeshwar mishama, em gimel korot akonim, la adam beze acharze, et c'est ça qu'on a en nous, ces trois niveaux d'énergie divine, nefeshwar neshama, et plus tu vas dans l'âge, et plus tu vas acquérir ces énergies divines qui sont importantes, d'accord, niveau spirituel. C'est clair? Et donc de là, qu'est-ce que tu vois? Qu'au niveau nafshi, au niveau psychologique, au niveau spirituel, on est relais une madriga les madriga. Au contraire, on grandit à chaque fois de madriga les madriga. On grandit de niveau, de niveau, de niveau. C'est pour ça que chez nous, le Ham Israël, d'accord? C'est tellement, tellement, tellement important nos skenim. Sont tellement importants nos pas nos vieux, d'accord? Mais nos sages, nos personnes âgées. Mais Chabdi Botam, pour nous, ce sont des Sefer Torah vivants. Nos sages et nos personnes âgées, ce sont pour nous des bibliothèques vivantes. Ce sont pour nous des aiguilleurs. Ce sont pour nous des boussoles. On les respecte et au contraire, on va aller chercher leurs conseils. On va aller chercher leur éclairage. Parce que nous, on ne comprend pas, on sait très bien qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Ils ont acquis une sagesse que l'on n'a pas encore. Et que si tu écoutes ce qu'il va te dire, ça va t'éviter beaucoup, beaucoup d'embûches. Donc, au contraire, les skenim talmidei chachamim, les skenim érudits en Torah, érudits dans la vie, ces gens-là, au contraire, plus ils grandissent et plus ils sont intelligents et plus on les respecte par rapport à ça, et plus on recherche leur éclairage dans l'intelligence. T'as compris ce que je suis en train de dire? Oui, il a fait mais ouais. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Déjà qu'il y a deux kochotes en l'homme, ces deux kochotes qu'on a expliquées, ces deux forces qui sont physiques et métaphysiques de l'esprit, d'accord, ce sont deux forces contraires, mais au niveau de la vie de l'homme, quand il vient sur terre, un il va en déclinant et l'autre il va en augmentant. C'est clair, égal? Ok. Et il dit, c'est pour ça que lorsqu'Akadosh, il a créé Adam Rishon, d'où il a créé Adam Rishon? Oui, allez-y. De la terre? De toutes les poussières de la terre. De toutes les poussières de la terre. Ça c'est vrai, mais c'est pas ça que là on a besoin, mais c'est vrai ce que tu dis. De la Torah? Physiquement parlant, d'où Adam Rishon, où il était? Alors je vais dans ton sens, d'accord? De quelle terre Dieu il a pris? Ok, de toutes les terres, il a pris d'une terre spéciale. Mais où? On a été ça. Le Amoria. Voilà. Et c'est quoi le Amoria? C'est quoi? Et où Bet-Amidash? De quel endroit du Bet-Amidash il a pris? Non. Lazara. Non, pas toujours. C'est vrai qu'il a la tête dans les. Hein? Ouais. Attention. Bon. D'où il a pris la terre avec laquelle Dieu il a écrit Adam Rishon? Mon petit Uriel, fais-nous plaisir. L'endroit où il y a le Ketoret? La Mehara? Dans le Beth Amikdash. Il est écrit dans la Torah, Mizbeach Adamata Aseli, Kisham Nirmas Sheyanim Kechad, Kela Mizbeach Ayunikravim, Shivim Pareachai. Dans l'endroit du Mizbeach, l'endroit où il a Akeda, c'est de là qu'on a pris. Eh ben, c'est la poussière. C'est ce qu'il a dit lui, Eben Ashtia. Qui a dit Eben Ashtia? Oui, mais je ne voulais pas entendre Eben Ashtia, ça me dérange, ça, c'est pas ça le niveau. Le Misbeach. Ah, le Misbeach. C'est sur Misbeach. Là où on a construit le Misbeach. Là où on a fait la Hakeda. Oui. Là où on a mis le sacrifice de Yitzhak. Oui. De là, il a pris la poussière à Kadosh Borou, pour laquelle la terre à laquelle il va créer Adam Rishon. Et il dit pourquoi Kadosh Borou il a choisi l'endroit où on allait construire le Misbeach? Parce que le Misbeach, il a ces deux propriétés-là. Il dit sur le Misbeach, qu'est-ce qu'on a amené?
Qu'est-ce qu'on amenait? Les corbanotes. Les corbanotes. Donc les shivim parim qu'on amenait à Sukkot, les shivim parim qu'on amenait à Sukkot, sur quoi on l'amenait? Sur le misbéa. Sur le misbéa. Donc les parés à Chag, ils étaient sur le misbéa. Avec la pente. Chayou poratim beolchim. Et là-bas, les corbanotes qu'on amenait à Sukkot, qu'est-ce qu'on a dit? Au début des années 70, et après on a amené moins, jusqu'à qu'il y en avait qu'un à la fin de la fête. D'accord? 70, 60, t'as jusqu'à dernier j'étais un, par nation, mais 70, et ça l'en décroissant. Et monter la pente et redescendre jamais. Pourquoi? Parce que c'était Keneged à Chomer. À Chomer. Ça, c'est par rapport à la matière. On dit que la matière, elle va, Olerve, Pochette. C'est bon, vous faites le lien à chaque fois là? Olerve, Pochette. C'est pour ça, il y a écrit, Velo, ta'ale, be ma'alot, al misbechi. Et après, il y a écrit quoi? Mais à Chach, misbeh, moré, al kinene, agoufa, pochatim, bolchim. Imken lota ale bemalot alav. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le, tu viens de le dire? Lota ale bemalot al misbechi. On n'a pas le droit de monter avec des escaliers sur le misbehar. Yeah. C'était quoi? C'était une pente. D'accord? Ouais. C'est pas. Maintenant, quand tu vois le quoi? Ça, c'est le pshat. Quand tu dis lota ale bemalot al misbechi. Parce que le misbehar, qu'est-ce qu'on faisait là-bas? Les corbanotes. Et là-bas, on faisait les corbanotes. Shivim, corbanotes des nations. Et c'était pochet veoler. C'est pour ça qu'on te dit quoi? L'autre, les mêmes organismes béchis. Là-bas, tu veux pas t'élever, tu veux pas monter, tu veux pas enlever, mossif. Au contraire, c'est qu'il y a d'achromer là-bas pour te montrer que le corps et que le gouffre, il va en décroissant, en déclinant. C'est pour ça que la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? L'autre, allez, ben, ma, l'autre, mis béchis. T'as l'air qu'on l'a à l'autre, niveau du gouffre. Le gouffre, il va mourir. T'as compris? Oui. Ok. T'as raison, on peut le dire. Vim ta seken, et il y a écrit quoi? L'otalmi, alma, l'otalmis bechi. Et qu'est-ce qu'il y a la Torah? Elle continue. Velo, t'égalé et erva techa. N'a pas le droit de montrer la erva, parce que le coin il pouvait pas, d'accord? Et il dit, vim ta seken, as t'égalé erva techa ala. Share, prit tout à chom, avire à ton ire, aïn behaïn. Et donc en réalité, c'est ça l'erva qu'on parle. Parce que si c'est ce que tu fais, t'es ma'alé, et toi tu penses que le corps c'est ça l'essentiel, et tu vas faire le culte du corps. Culte du corps, c'est qui le culte du corps? Les Grecs. Et tu vas faire le culte du corps, Apollon, d'accord? Cupidon. Non, ça c'est Dieu de l'amour. Bah oui, c'est pour ça. Grec, mais Apollon, c'est Grec, Grec, on est dans. Ça on y va. Par Apollon. Y a... Merci de Tzadik. Vim comprend, Vim comprend. Après, il y a marqué pour Apollon. Ah ouais, mais c'est où, dans quel sens? D'accord? Alors là, si tu penses que le chomer c'est l'essentiel, et si tu penses pouvoir monter sur le misbehar, entre guillemets, faire monter le chomer, alors c'est quoi? T'es galère batecha. Parce que le type, il a laissé plus place au quoi? Aux passions, aux pulsions du corps, en pensant que c'était ça la finalité des choses. C'est clair? Aval. T'as compris, Rabbi Michael? C'est bon jusque-là? Aval. Il y avait le misbehar qui était là, et juste à côté du misbehar, celui qui a la photo. Ouais. Je n'étais pas là, j'étais dans une mare à la maison, mais. Qu'à la photo du Beth Amikdash, juste à côté du misbéar, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Ce qu'on appelle l'Ishkat Agazit. Ah oui. C'est quoi l'Ishkat Agazit? C'est là où le Sanhedrin siégeait au Beth Amikdash. Et quand il y avait un dioun et on devait discuter et parler, là-bas, comme dirait, là-bas, ouais, c'est qui? Goldman? Magnifique. Comme dirait, il y a que là-bas qu'il peut y avoir le Sanhedrin. C'est là-bas que le Sanhedrin siégeait. Donc on voit qu'il y avait le misbéar et juste à côté, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Le misbéar Azav. Oh, il y avait le Sanhedrin Mishka. Il dit comme ça. Vetzel misbéar haya makom ishvat Sanhedrin atzmuchim vezikne talmidei chachamim amosifin veolchim kenerot chanuka veatzadikim nikru gam ken orosh el olam kanoda. Eux, c'était eux la lumière du monde. Lorsque, comment ils s'appellent? Comment il s'appelle? Ah, toi, tu connais bien, toi. Comment il s'appelle? Hérode. Oui. Il a tué tous les chachamim. Il est parti voir, c'est lui qui a tué les chachamim, non? Et il a demandé à Rabbi Shimon ben Shattah, qu'est-ce que je dois faire pour. C'était avec Rabbi Shimon ben Shattah. Ouais, dans Baba Batra. Et il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour. J'ai tué tellement de chachamim, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour me racheter? Et il a dit, toi, tu as éteint Orosh El Olam. Toi, tu as éteint la lumière du monde, qui sont les Talmidei Chachamim, le Sanhedrin. Maintenant, il faut que tu rallumes le Rosh El Olam, reconstruis le Beth Amikdash. Il a voulu faire tes joies. Il a voulu faire tes joies. En gros. Shimon ben Shetar, je crois. Comment tu dis, toi? Non.
Je crois pas. Non, c'est Michimanché, c'est ton beau frère. Non, c'est quoi, celui qui était aveuglé, c'était Yohan Montiano, je crois. Ouais, mais c'est pas lui à qui il demandait. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Que le Sanhedrin et les Khachami, comment ils sont appelés? Au Rosh et l'Olam. Pourquoi ils sont appelés Rosh et l'Olam? Parce qu'ils éclairent autour d'eux. Et les Talmidei Khachami, c'est leur tzikout, leur intelligence. Olech ou Mosif. C'est clair ou pas? Écoutez bien. Alors ça, je ne vais pas le dire maintenant parce que ça, c'est le truc. Ok. Donc on voit que quoi? Que les... Alors attends. Combien il y avait de Chachamim au Sanhedrin qui siégeait? 70. Donc combien on avait de Paris qu'on a mis sous le Mizbéa? 36. Oh là là, 70, 36, tu comprends le problème? 70. Moi je suis dans Hanouka. Il était donc, il y avait 70. Et dans le Mizbéa, Michael, c'était pour Red Voler. Ils étaient de tous les jours moins. Et qu'est-ce que représente le Mizbéa? Le goût, le corps, qui est au l'air, le pochet, il diminue. Et juste à côté, qu'est-ce qu'il y avait? Le Sanhedrin. Combien si j'ai là-bas, il y a 70. Mais là-bas, au contraire, la chokma, plus, plus tu vieillis, plus la chokma, elle augmente. Il y a fait, donc eux, c'est quoi? C'est au l'air, Vémotif. C'est clair jusque-là? Oui. Écoutez bien. Jusqu'à 99. Vous êtes avec moi ou pas? Oui. Ok. Par deux. Est-ce qu'il y a une voix qui soutient la bracha sur la Hanouka? C'est divague. Tu veux laisser. Non, il vient d'expliquer, okay. C'est le contraire. Hein. Le rave. Il vient d'expliquer, c'est le contraire. Là. Et il dit comme ça. Vous avez raison, nous l'avons dit, Mimash Matsinou Shumona. Shimatsinou Shumona Yeme Achag. Chayou Makrimim Baem Shivim Parim. Combien de jours tu es sous corps? 8 jours. Et dans ces 8 jours, qu'est-ce qu'on a amené? 70 parim. Chayou poratim. Beolchim. Yom yom. Par contre, à Hanouka, on a aussi 8 jours de fête. Et c'est pour ça que je vous ai amené le Bnei Issachar. Nakhon? Qui dit le rapport entre Yaakov et Hanouka. Parim Tanin. Quand est-ce qu'il est tombé malade le premier jour de Sukkot? D'accord? On voit le rapport. Il dit pendant Chagas Sukkot, on avait aussi 8 jours de fête. Je suis venu à Tseret. Et on avait Shivim Parim 70. Animaux, bétail, taureaux qu'on amenait sur le Mizbéach, mais là-bas, ça allait en diminuant. Et Keneged, on a les 8 jours de Hanouka. Ou là-bas, au contraire, c'est Oler ou Mosif. Chaque jour, on est Mosif. Une bougie de plus, une lumière de plus. Et il dit comme ça, Yom Yom, Brinat Yime Hanouka, Shenerom Lad Jemadikin Baen, Tamin Mosifin Volkin, Kol Yom Bayom, Befumriya, Talefia Emet, Iresh Yesh Eze Dimion de Achaz Benehem. Kishneem Baou Beispar Shmona. On voit qu'il y a un rapport entre Sukkot et Hanouka. Dans les deux jours, ça dure 8 jours. Dans les deux cas, ça dure 8 jours. Et dans les deux cas, Amiesh Benem Shivim Yom. Keshetimna Cheshvan Malev Ezer Acholi Lomar Shem Keneget Yemei Choldo. Quand tu comptes depuis Cheshvan jusqu'à de Sukkot, la fin de Cheshvan, quand tu comptes Cheshvan Malev, tu comptes de Sukkot jusqu'à Hanouka, on a 70 jours. Tu savais ça? Tu savais ça? On a 70 jours. Tu savais ça? Oui, monsieur. Et il dit à quoi représente ces 70 jours, Rabbi Yigal? Yem Kredo Shel Adam Shehu Mispar Sheva Oshmone. Comme il écrit, Yem Shenotenu Baem Shivraim Shana. Vim Bigvurot Shmonim Shana. À l'époque, quelqu'un qui arrivait à 73 ans, il faisait la bar mitzvah à Tunis. Vous le saviez ou pas? S'il dépassait 60 ans. Il avait 73 ans aussi. 73 ans, il faisait la bar mitzvah. Dans quel quartier? À l'époque, l'espérance de vie. Elle n'était pas très. Joyeux Blarinara. Regarde les femmes de 70 ans, 75 ans, 78 ans même. On fait que ça. Elles sont. Pour Red Voler. Regarde les femmes de 70 ans, 75 ans, bébé maître. D'accord? Elles paraissent. La femme, pas. À l'époque, rien que nous à l'époque. Ouais. Alors imagine la deux générations. Une femme, une grand-mère à 55 ans, 60 ans, elle était vieille. Ça faisait vieux, regarde les photos. C'est
C'est que comme nous on a vieilli, on voit pas que c'est très vieille. Mais nos enfants, ils les voient très très bien, les femmes sur je crois. Non. Je pense que la perception. Non. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Enfin, 70 ans, il y a de la ils font machin, ils font vie, ils font le sport, ils font machin. C'est l'on affronte. Les générations complètement. Ouais, mais c'est l'on échané. Les générations. Ah, bah, les générations ont complètement changé. D'accord ? Et donc, la vie de l'homme, c'est quoi, 70 ans ? On a 70 jours entre Soukhot et Hanouka. Et dit comme ça. C'est elle qu'on fait tes vins. Et l'eau à Romer pour être volaire. Et comme on a dit que le physique et que le corps va toujours en déclinant. Alkenayo à Paris pour Hati Volkrim et Fichem Kelligan d'un effet Chabé Mikomotam. La fête de Soukhot, elle vient ici parler, montrer quoi ? Par du corps. Et c'est pour ça que sur le Misbéach, on a mis 70 taureaux. Et que l'endroit du Misbéach, c'est l'endroit où Akadosh Borou a créé le corps d'Adam Rishon. Pour te montrer que le corps, il est en herbe et prophète. Sache, mon fils, que si tu mises sur ton corps, si tu donnes plus de vie à ton corps, si tu me donnes prédominance, il est important le corps. Il faut faire très attention à son corps. Mais attention, et si tu as une prédominance à ton corps, si le phare de ta vie c'est ton corps, ah bibi, regarde où il termine. Il termine sous terre, mangé par les vers. Donc, c'est ça la fête de Soukhot, les 8 jours de Soukhot, et les corbanotes qu'on a amenés sur l'endroit du Misbéach. Là, on a créé le corps d'Adam Rishon pour montrer à l'homme la futilité du corps, qui n'est pas l'essentiel, il est très important, mais que ce n'est pas l'essentiel. Ne te voue pas toute ta vie au culte du corps, ne donne pas une prédominance au corps, c'est pas au corps qui a une prédominance, c'est parce que le corps il est voué à mourir, être rongé par, voilà, par les vers. Ça c'est Soukhot. Avant les rôtres Hanouka, em keneged ner Hashem Ishmat Adam. Et par contre les rôtres de Hanouka représentent quoi, comme il y a écrit, ner Hashem Ishmat Adam. Le nefesh de l'homme, l'âme de l'homme, c'est comme une bougie pour Dieu. Au contraire, les nerod de Hanouka, elles sont là pour montrer quoi ? Lumière. La lumière, c'est la neshama. La neshama, c'est quoi ? Elokimimal. C'est or, c'est une lumière. La neshama est là pour éclairer le corps. Elle est là pour éclairer ton esprit. Elle est là pour éclairer ta vie. Elle, c'est l'essentiel. C'est ce que tu deviens. Tu deviens grâce à ta neshama. Tu construis grâce à ta neshama. Tu acquiers l'éternité grâce à ta neshama, parce qu'elle est même éternelle. Les nerod de Hanouka représentent quoi, Rabbi ? Esprit. Mon petit Daniel. Lumière, le organose, l'abriou. Là, ce qu'on vient de dire là. Esprit. Oramaki. Je vais dire maintenant. La Neshama. Le spirituel. Ce qui est de vrai en toi, ce qui est essentiel en toi. C'est pour ça quoi ? Amosé fait d'Olechet. Comme dans la vie, égale ta réflexion, ta Neshama. Plus tu construis, plus tu étudies, plus tu grandis. Et plus tu es Mossi fait. Aburiel. Olech. Kamou qui a le casé, il perd Mounbaz à l'atzmon les morts. Dans Magmara, dans Babatra, on parle de Mounbaz. Lorsque il a dit, Yaba, lui, il a donné toute sa fortune pour la Torah. Alors ils l'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? T'es un fou quoi ? Toute ta fortune, tu l'as pour la Torah ? Bah, elle est pour les vacances, pour les enfants. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a dit, Avota, Iganzou, les Mata, Aini, Ainu, Kinyane, Agouf, Che, Miteva, les Redet, les Mata, Mata, Vani, Ganas, Tile, Mala. Il a répondu, moi, mes pères, mes aïeuls, ils ont caché en bas, ils ont ramassé des gains en bas, moi je ramasse des gains là-haut. Et c'est pour ça que je donne mon argent à la Torah, à des choses essentielles. Tu vois bien, encore une fois, que c'est au l'air. Ou Mossif, Aïnou Kenyan Nefesh, Shimitivam la lot mala mala. Que le Teva, il est la lot mala. Et écoutez bien, maintenant on termine. On a posé, il a posé la question, alors, quel est ma couverture Bet Shemay Bet Hillel ? Pourquoi un il dit il faut donc Oler ou Mossif et un il dit pour être de Oler. Et il te dit la Gemara dans cette Shabbat que la table de Rabbet Shammai, c'est quoi la raison de Bet Shammai ? Pourquoi Bet Shammai ? Keneged Paré Achag. Il dit, mais t'as compris ? Selon Bet Shammai, que c'est l'esprit de rigueur, comme on a dit plus voir le Midat Tadjin, ils disent que Hanouka, elle est là pour montrer à l'homme la petitesse, l'insignifiance du corps. Tzadik, fais attention, donne pas prépondérance à ton corps. Le corps, il est là à être, il est voué à être, à mourir. Attention, ne t'investis pas dans les plaisirs, les pulsions, la culture grecque du corps, de la force du corps, de la beauté du corps, dans les Las Vegas,
dans les Ibiza, dans les Amsterdam. C'est aucun doux qui est conservé. Bien sûr, je ne parle pas de nous. D'accord, de l'Amsterdam. Fais attention. Donc il te dit, Beth Shammai, Keneged Paréa Chag, pour pouvoir grandir dans la Torah, pour pouvoir donner plus place à Tani Shammai, dit Beth Shammai, le travail que l'homme il doit accomplir, c'est éteindre son corps, fermer son corps, tuer son corps, rabaisser son corps, et avoir toujours dans l'esprit que le corps, ce n'est pas essentiel. Plus tu vas tuer ton corps, rabaisser ton corps, cri-cri-cri ton corps, plus tu vas laisser de place à ta Nishama. Ça, c'est la Zvara, la façon de penser de Beth Shammai. De Beth Shammai, attends, de Beth Shammai. Et bien, je lui ai dit, c'est comme ça que tu dois grandir. Va Beth Hillel, va Beth Hillel. Et il te dit non. Le meilleur moyen pour faire grandir quelqu'un, le meilleur moyen pour faire grandir quelqu'un dans l'essentiel, dans la Torah, dans le vrai, dans le bon, laisser et donner vie à cette neshama, à ce spirituel qui est en toi, cet essentiel qui est en toi, c'est de ne pas regarder ce négatif qui est en toi et le corps, mais te concentrer plus sur ce qui est de positif en toi, ce qui est beau en toi, sur Oler ou Mosif. Regarde la machine que Dieu t'a donnée en toi, regarde la neshama que Dieu a mis en toi, regarde le potentiel que Dieu a mis en toi. Regarde cette force extraordinaire divine que Dieu a mis en toi. Et plus la personne va se concentrer sur ce qu'elle est véritablement. Et qu'est-ce qu'elle est véritablement? Une volonté divine, infinie, de devenir, de construire, de se réaliser. Et plus la personne, elle pourra être Oler ou Mosif. Parce que si tu te concentres sur ce qui est mauvais en toi, sur les boulets que tu as dans tes pieds, ça t'empêchera d'avancer. Donc concentre-toi dans ce qui est bon en toi, dans ce qui est bien en toi, dans ce qui te permet d'avancer pour pouvoir grandir. Et il explique, le Oler Israël, c'est ça, la marque de Beth Shammai Beth Hillel. Un, il te dit, regarde ta petitesse, et regarde ta grandeur. Et c'est comme ça, en vérité, la machloket entre eux. Et là, la chale comme qui? Il est. Ah, papa! Comme est-il? C'est ça qu'on doit dire à quelqu'un. Si tu veux motiver ton enfant, tu veux motiver ton élève, tu veux motiver les gens, arrête de leur montrer leur petitesse. C'est pas qu'on est en train de se mentir, chacun il se connaît. Mais si tu mets le doigt à chaque fois sur ce qui n'est pas, sur ce qui est de mal, sur ce qui n'est pas bien, sur ce qui fait de mal, il ne pourra jamais avancer. Au contraire, éclaire en lui. Le positif qui est en lui. Montre-lui qu'il a déjà réussi. Montre-lui qu'il est capable de devenir. Montre-lui qu'il est capable de grandir. Montre-lui qu'il est capable de réaliser de grandes choses. Et tu vas éveiller en lui, Béhémeth, cette lumière. Raviver en lui cette lumière. Et cette personne, Béhémeth, elle sera capable de devenir. C'est ça, Hanouka. Rester Béhémeth dans cet esprit positif, dans cette force que Dieu a mis en nous. Et comprendre qu'on est tous capables d'éclairer autour de nous. C'est clair? Amen. Allez, je vous aime tous. Bonne journée. M'énervez pas.